Salut, c'est Pipaï Girl. Désolée, j'ai oublié mon stabilisateur de phone. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre mes nouveaux achats. Donc, c'est des achats que j'ai fait à Cultura. Je ne sais pas du tout si vous voyez. Attendez. Voilà. Voilà, désolée. Hein. Donc, je suis allée à Cultura et j'ai fait des nouveaux achats. Donc, je vais vous les montrer. Donc, c'est pas des achats que Fimo, que Pokémon, que d'un truc, non, c'est mixte. Donc, je fais des achats Fimo et des achats Pokémon. Voilà. Donc, j'ai le ticket de caisse. Je vais pouvoir vous dire les prix. Donc, déjà, c'était les derniers pains de Fimo classique qui a Cultura. Donc, il y en avait plein des mêmes couleurs. Il y avait du jaune en 15 aussi, du jaune doré, mais j'en ai pas pris, voilà. Donc, j'ai pris du vert numéro 5 en classique, parce que j'en ai presque plus. Vu que maintenant, la pâte dure, c'est la professionnelle, c'est nul, voilà. Et j'ai pris le jaune numéro 1 en classique. Voilà. Donc c'est mes deux seuls achats Fimo. Voilà. Donc un pain m'a coûté 1,29€. Parce que sinon c'est 1,99€. Il a coûté 1,29€ et l'autre 1,19€. Parce qu'à la base, un pain, c'est 1,99€. Et vu qu'ils s'en foutent maintenant, il est vraiment cher. Et puis, dans les achats Pokémon, c'est pas une ouverture de coffret, machin, booster, je sais pas quoi. Non, c'est un mini classeur de rangement. Donc, c'est le mini classeur de rangement étincelle pour que je range mes cartes de dresseur. Donc, avec sur la face le Nemelios. Et le derrière, le Kangourex. Voilà, donc 9,99€, comme vous avez pu le voir. Avec sur le côté toutes les énergies. Et voilà, donc il y a ces quatre pochettes, le truc. Donc voilà, un jour je vous ferai une vidéo sur toutes mes cartes. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, ben après, mon père, il s'est pris des agrafes et des stylos, mais on s'en fout, voilà. Donc, ben j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous passez une bonne journée. Salut!